Gourmandise, c'est les amis d'AXI, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler d'un produit qui s'appelle The Business de Romanos, produit par la Casa Magic. C'est un porte-carte qui fait office de pic, un porte-carte comme il est possible d'en avoir via Vistaprint, via les sites d'impression de cartes de visite. Donc voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Comme je le disais dans l'introduction, c'est un porte-carte. Donc, bon allez, je vais garder le suspense, je vous le montrerai tout à l'heure. C'est un porte-carte qui va vous permettre de réaliser un pic assez clean, je trouve, et qui va vous permettre aussi de transporter vos cartes de visite, de les avoir toujours sur vous. Voilà, j'ai pas plus à dire là-dessus, c'est vraiment juste un pic, comme il en existe plein sur le marché. Mais un pic un peu particulier, on va voir ça tout de suite. Le prix est de 55-60 euros, donc c'est assez cher, je trouve, pour un porte-carte. Bon, après, vu comment il a été fabriqué, vu comment le gimmick est fabriqué, on peut comprendre un peu les coûts, et on peut comprendre le prix donc de The Business, et les boutiques Big Magic le proposent. Ah, c'est bizarre, tu vois. Voilà, donc sinon, faites votre choix. Plein de boutiques en France l'ont. Donc, à vous de choisir, mais Big Magic sont très pros. Vous le savez, en tout cas. Enfin, maintenant, vous le savez. Pour le déballage et la qualité, voici ce que l'on reçoit. Un étui DVD. À l'intérieur, vous avez un porte-carte non truqué. Un porte-carte truqué. Je sais, il se ressemble. Un petit sac en tissu pour transporter vos porte-cartes de visite. Et un DVD avec de nombreuses routines. C'est très simple à comprendre, même si on n'est pas anglophone. Il y a de bonnes routines. Après, c'est à vous, c'est un pic, donc c'est à vous de fabriquer votre routine, de construire votre routine autour de cet accessoire. Donc, niveau matériel, je suis très, très, très satisfait de la qualité de celui-ci. Pour le prix, en tout cas, je suis très, très content. Donc voilà, on va passer tout de suite à la démo. Pour la démonstration, voici ce que le spectateur voit. Le porte-carte est sorti de son petit sac en tissu. Hop, je vais ouvrir le porte-carte. On sort toutes les... Je vais essayer de sortir toutes les... Voilà. Carte de visite qui est à l'intérieur. Le spectateur en prend une, celle qu'il veut. Par exemple... tiens, j'ai trop de choix. Tiens, celle-là. Et oui, je la sors hors du champ. C'est une carte complètement normale. Vous avez le dos tourné à ce niveau-là. Il peut évidemment la choisir de ce paquet-là. Hein. Il n'y a pas de triche. Et il dessine ce qu'il veut, un dessin simple. Même un mot, un nombre, ce qu'il veut. Avec la petite moustache et la petite barbe. Avec les oreilles, les lunettes. Hop! Voilà, donc vous pouvez voir Alexis, des amis d'Alexis, et oui, je sais, la ressemblance est frappante. Donc je le dédicace, il sera en vente sur eBay à partir mise de départ de 1 million d'euros. Donc voilà, le spectateur fait ça pendant que vous avez le dos tourné, il remet sa carte au fond du porte-carte, je vais avoir trop de cartes ici, je vais en enlever. Hop, tout va bien. Il remet les autres cartes par-dessus, ferme le porte-carte, et vous rappelle. Pendant ce temps-là, vous vous retournez. Le spectateur a bien entendu caché sa carte en dessous les autres cartes. Vous prenez le porte-carte, vous le rangez hop, dans son petit étui. Et vous le rangez dans votre poche. Et là, vous avez instantanément pris le pic, pris l'information, capté l'information. Et là, je peux savoir que c'était... Vous avez dessiné Alexis, des amis d'Alexis. Oui, c'est impressionnant quand on le fait tout seul. Mais encore plus impressionnant quand on le fait à deux. En tout cas, voici ce que le spectateur voit. Vous avez des petites variantes où vous pouvez glisser la carte de visite à l'intérieur, mais dans les autres cartes de visite. Pas en dessous, mais vraiment dans les autres cartes de visite. Donc, c'est encore un peu plus déceptif, encore un peu plus bluffant pour le spectateur, peut-être. Et donc, voilà, je trouve que c'est assez joli. On va passer tout de suite au point positif et au point négatif, pardon. Les points négatifs pour commencer, c'est le prix. Je trouve qu'il est assez cher comme tour. On est vraiment sur une limite très haute pour un produit de close-up. 60 euros, c'est un investissement. Après, je trouve que c'est quand même compréhensible. Comme je l'ai dit, quand on voit le matériel
qui est fourni. Donc vous avez, comme je le disais, un porte-carte non truqué. Ouais, fait coucou à la webcam. Ah, oh, regardez, on voit les projecteurs. Bref. Donc un porte-carte non truqué, il peut contenir, parce que ça, c'est un détail important, il peut contenir jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes de visite. Voilà. Il peut aussi faire office de miroir. Donc, si vous avez hôtel de Ludovic Mignon, vous savez que c'est pas mal cool. Cependant, les cartes d'hôtel ne fonctionnent pas. Les cartes fournies dans le tour hôtel ne sont pas adaptées à cette taille de carte, de porte-carte. Je voudrais d'ailleurs remercier Barra qui m'a envoyé comme ça, gracieusement, The Business. Il m'a dit que c'était pour me remercier et c'était pour aussi fournir les avis. Donc je tenais à lui faire une grosse, grosse dédicace. C'est super sympa de sa part. Et merci Barra. Je retiens et un jour, je te revaudrai ça. Donc, on retourne au business. Petit jeu de mots. Bon, d'accord. Je trouve que le matériel est quand même d'une très, très grande qualité. Le pic est d'une clarté. Vous avez un pic à 100% et d'une clarté vraiment incroyable. Petite, je vais vous montrer entre le... Hop. Le porte-carte truqué et celui qui ne l'est pas. Alors, ça c'est le porte-carte truqué. Et ça, c'est le porte-carte qui ne l'est pas. Je vais sortir les cartes qu'il y a à l'intérieur parce qu'on n'en a pas besoin. Donc voilà, vous avez les deux porte-cartes ici. Je vais les ouvrir. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence. C'est juste des porte-cartes classiques et pourtant il y en a un qui est truqué. Là, je ne pourrais vraiment pas vous dire lequel. Lequel c'est vraiment très, très perturbant. Et c'est ça la force, c'est que vous pouvez d'abord présenter le porte-carte non truqué que les spectateurs peuvent manipuler complètement naturellement sans problème, les habituer à ce porte-carte, et quand l'envie vous vient, vous pouvez sortir The Business, le porte-carte truqué, et faire votre pic vraiment direct. Et je trouve que c'est ingénieux, mais d'une force, moi qui adore les gimmicks, c'est mortel. Le sac est là pour deux raisons, une qui est apparente, qui est le pic, et une autre qui est moins apparente, qui est que le porte-carte truqué a besoin d'être posé sur le sac en permanence. Donc soit vous avez un environnement qui vous permet, comme je le suis actuellement, de ne pas utiliser le sac, mais vous avez besoin du sac obligatoirement. Mais le sac est vraiment très... C'est du velours, c'est très... la qualité est là, quoi. C'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment plaisant avec ce tour. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'est un pic qui est complètement utilisable dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas trop d'angle, il faut que personne soit derrière vous. Et encore, vous pouvez gérer complètement cette situation-là. Donc pour moi, c'est un gros, gros, gros coup de cœur. Même si j'utilise dans... la vie de tous les jours, dans les prestations, dans les performances, un autre appareil pour piquer l'information, et cet appareil, je ne suis pas autorisé à vous en parler aujourd'hui, peut-être que dans le futur, ça arrivera, mais en tout cas, c'est un autre appareil qui est autant, si ce n'est plus mortel que celui-là. C'est pour vous dire. Au niveau difficulté, c'est très simple à faire, donc c'est une étoile pour moi. Après, il faut vraiment construire votre routine pour que le pic soit le plus naturel possible. Ça, faut s'entraîner. C'est pas compliqué, mais il faut que ce soit naturel. Donc une étoile, mais ne tombez pas dans la facilité. En ouverture, vous avez des tonnes et des tonnes de pics disponibles sur le marché. Le Nomad Pad, le Spy Pad, les Paralab Pad de Paralab Studio. Vous avez les Peak Wallet, donc vous avez le Lookout Wallet, vous avez le The Annihilation Wallet de Paul Carnazzo, vous avez plein de picks, ça dépend, tout dépend si vous avez envie de faire ça avec un portefeuille, avec un porte-carte, en tout cas là, c'est un porte-carte, donc c'est logique d'avoir des cartes de visite dans un porte-carte. Bref, c'est vraiment, je trouve le plus justifié, d'avoir un porte-carte, même si moi j'utilise un petit portefeuille qui fait office de porte-carte pour faire mes pics, le Viper Wallet, non, vous pourrez taper sur internet, vous ne le trouverez pas, c'est exclusif, voilà, j'ai dévoilé le nom, mais chut, on n'a pas le droit d'en parler. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, The Business.
C'est tout pour moi cette semaine. Merci de m'avoir suivi. Les amis d'Alexis sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Magitest sur Facebook, un petit j'aime et ça fait plaisir. Vous serez tenu au courant de toutes les actualités magiques et toutes les vidéos et toutes les critiques et tous les concours. Bref, de tout, du meilleur et du meilleur, parce qu'il n'y a que beaucoup, beaucoup de meilleurs. Vous pouvez aussi aller sur magitest.com. De nombreuses critiques écrites par mes camarades, Mickaël et Olivier. Ils en publient assez régulièrement, donc n'hésitez pas à aller les lire, ça fait plaisir aussi. Merci beaucoup, à la semaine prochaine, bisous bisous!